Bonsoir, coach. Bonsoir, coach. Ça marche? Bonsoir, coach. Kahoul Chouaib, journaliste Al-Khabar, journal Al-Khabar. On ne va pas remettre en cause tout ce que vous avez fait pour... Vous trouvez. Mais je vais terminer la fin. On ne va pas remettre en cause tout ce que vous avez fait pour l'équipe d'Algérie depuis 2018, mais vous n'êtes pas pour autant exempt de tout reproche. Et par rapport à ça, j'aimerais connaître votre sentiment par rapport au rendement de votre capitaine, Riyad Mahrez, qui a bénéficié des vacances exceptionnelles à la veille du tournoi majeur. Vous avez argumenté ça par le fait que vous voulez un joueur en plein possession de ses moyens, alors pendant les trois matchs, il était pratiquement l'ombre de lui-même, sachant que pendant les trois quarts qu'il a participé, il a toujours marqué, il est répondu présent. Et c'est la seule fois qu'il n'arrive pas à marquer, ni même donner satisfaction. On aurait pu régler ça en famille, mais apparemment vous voulez parler de ça ici. Vous n'avez pas les tenants, les aboutissants. Quand vous dites vous lui avez donné des vacances, c'est faux, vous savez pas ce qu'il en est. En temps et en heure, peut-être on en parlera, mais je pense pas que ce soit le bon endroit, le bon moment. Et va pas pointer déjà ton joueur qui t'a fait qui vous a fait tant de bonheur, qui vous a donné tant de bonheur, et qu'aujourd'hui, là où ça va mal, commencer à pointer du doigt ou lui ou moi. Donc vous auriez voulu quoi? Que je mette Riyad Mahrez sur le banc de touche? Ça, par exemple? Changement? Ok, ben j'ai pas changé. J'ai laissé Riyad Mahrez jouer. Le joueur qui vous a donné tant de bonheur, je le répète. J'assume ce choix-là. Et quand vous dites parler de vacances, vous êtes au minimum pas bien informé, au pire un peu malhonnête, parce que ça n'a rien à voir. Ouais, à ce point-là, ouais, à ce point-là. Donc on a perdu, on s'est pas qualifié parce que Riyad est en vacances. Ça a été croyant. Ça l'a failli.